Hey, bonjour tout le monde à l'épisode 10 de C'est pas pour les doux, édition du 11 septembre. À soir, on a invité un invité spécial, Andrew Doyon de la boucherie Beauce-Bœuf. Bonjour Andrew. Bonjour les garçons, bonjour. Hey, à ma droite encore JF. Hey, bonjour. Et Monsieur Lepage. Bonsoir. Là, on est en train de s'assiner à savoir si on avait un bloc nouvelle. On n'avait pas grand-chose à dire. Là. Je pense qu'il ne se passait pas grand-chose, malheureusement. Ben, il y a notre invité. Oui, il y a notre invité. Ouais, moi, je suis bien excité, sérieux, par Farming Simulator 17, qui s'en va sur Switch. OK. C'est quelque chose pour moi, en novembre. Je pense que c'est j'hypothèque ma vie. J'embarque dans la vie familiale. Moi, mes beaux-parents, ils ont une ferme, tout ça. Fait que je me suis tout le temps senti un peu exclu. Fait que là, tu vas pouvoir t'intégrer. Et voilà. Là, tu vas pouvoir parler de machinerie. Puis c'est ça. Ouais, ben, il y a une paye, c'est une MF. C'est vrai, ça. Les belles rondes, pis tout ça. Ah, as-tu commencé à planifier ta ferme de rêve déjà? Ben oui, honnêtement, j'ai déjà commencé à placer les bâtiments un peu. Là. Fait que c'est d'avoir la superficie de ceux-ci, parce que faut quand même qu'on respecte un prix, faut que ça soit rentable, tu comprends? C'est... Mais pour faire une histoire courte, Farm Simulator, t'as-tu déjà joué un peu toi avant? Non? C'était vraiment ta première expérience ouais, avec ça. La première, j'ai assez hâte en avant. Je sais, on va le prendre au-dessus d'arrière. Je sais pas si ça va marcher avec le tactile. Je serais curieux de savoir. Oui, il faut pouvoir caresser ton cheval et tes vaches. Comme dans Harvest Moon, ça va être pareil. Hein. Ça pour du confort, après ça, ça produit plus. Ça produit des œufs d'or. Pour vrai? Ben, c'est une poule. C'est quand même relatif à l'animal que tu prends. Puis d'ailleurs, une autre petite nouvelle qui vient me popper, je pense que Shenmue 1 et 2 ont été annoncés sur PlayStation 4 en remake. Okay. Je ne suis pas sûr encore de mes sources à 100%, là. Je me garde une réserve, mais j'ai vu passer ça sur les internets. Je pense que ça serait un bon move parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la chance de jouer à ces deux jeux-là, puis vu que le 3 est annoncé, ça serait plaisant. Moi-même, je crois que Max m'a vendu un peu la série. Ça a l'air le fun. Le 3 sortira probablement pas avant 2025, à peu près. Tu sais quoi, toi, Shenmue, Andrew? Non. C'est comme du proto Grand Theft Auto. Là. C'est comme un petit peu avant Grand Theft Auto, ça avait sorti sur Dreamcast dans le temps. Non, à part Crazy Taxi, moi, sur Dreamcast. T'as pas eu trop d'expérience. Même à ça, je l'ai pas joué, je l'ai vu. Ça va être de la cool. Comme dans le clip des Red Hot Chili Peppers. Oh, c'était-tu là-dedans? Ah, oui, ah non, mais oui. Bah, on aurait dit, genre. Ouais, oui, Californication. Ouais, il y avait Offspring aussi qui détenait la trame sonore de Crazy Taxi. Voyons, toi. Oui, il y avait une toune, je me souviens plus laquelle, mais genre, il y avait comme trois tounes sur le jeu, puis il y en avait une d'Offspring. Ça devait être long, hein? Trois tounes. Trois tounes, hein? Elle est bonne, celle-là. Ça revient tout le temps, le tabarnak. Bah. On fait le tour vite. C'est bien ça. On parle-tu de PewDiePie qui a dit des niaiseries encore? Hein? Je t'écoute. Il y a une couple de mois, on avait parlé de PewDiePie qui avait fait des jokes de juifs dans une de ses vidéos et qui avait perdu ses contrats avec Disney et avec une couple d'autres entreprises. Là, c'est pendant un stream, il s'est échappé, il a lâché le N-word, ce qui semble avoir choqué encore beaucoup de monde. Je veux pas les prendre PewDiePie. Chris n'a pas besoin de moi pour le défendre, puis il a assez d'argent pour se défendre tout seul. Ce que je trouve un peu curieux, c'est que la compagnie qui a produit Firewatch, Campo Santo, je pense, qui ont annoncé qu'ils allaient flaguer les vidéos de PewDiePie avec des copyright takedowns parce qu'ils veulent pas être associés à lui. Ça, je trouve ça un peu weird là, parce que t'as quand même des droits, des lois qui régissent le copyright. Ouais. Je pense pas que tu peux t'en servir comme une arme parce que t'aimes pas quelqu'un. Là. Mais c'est quoi qu'il a dit? Il a utilisé le N-word d'une façon... C'est quoi ça, le N-word? Je sais pas c'est quoi le N-word. Non. Entendons-nous que si tu vas sur Twitch, tu fais juste jouer online, là, tu vas l'entendre à peu près une fois ou 14 secondes, à peu près. Ah, c'est pour ça que Max avait lâché ça l'autre coup, là, puis il voulait que je fasse du montage à tout prix. Ça se peut bien. Ah oui, il y a du monde qui sont freaks là-dessus, sérieux. Aussitôt que t'as ce mot-là, ben moi je me souviens avec quand on était sur on avait les gamers, tout ça, tu sais, à un moment donné, il y avait comme le c'est quoi donc, c'est le Red Sun, une affaire de même, là. J'avais fait un montage pour une affaire de Smash, là, puis j'avais mis comme, tu sais, le soleil rouge. Oui, là, c'était pas le Japon, ça. Ouais, une affaire de même, fallait pas mettre ça, parce que là, les samouraïs, ouais, c'est ça, les samouraïs descendaient, puis ils nous tuaient tout, même. Non, mais c'est vrai. C'est fouette. Faut checker tout, puis des fois, tu y penses pas. Là, nous autres, on veut pas, à un moment donné, ça vient comme dans notre vocabulaire, puis c'est des trucs... Mais en tout cas, tu viens pas de la place non plus, fait que t'étais pas informé de, c'est quoi que ça voulait dire. Tu sais, en même temps, je trouve des fois là, que... C'est pousser le bouchon. Ouais, c'est vrai, ça. Comme je dis, je veux pas le défendre, là, il l'a échappé, honnêtement, mais
Parce que tu sais, t'es une compagnie, au pire, donne-y pas de preview code, donne-y pas tes jeux pour qu'il fasse son stock avec, mais de là à flaguer son stock, je trouve ça un petit peu intense comme réaction. Ce qu'il a fait avant, finalement, ça leur a peut-être été... Tu sais, ça a été bon pour eux autres. Ouais, là, après c'est... ça, tu peux pas comme y enlever non plus. Hein, tu sais, veux pas... Dans une affaire, une business comme YouTube, ce que tu donnes à quelqu'un, ça te revient, ça va des deux bords. Là. Ouais, puis c'est sûr que si tu donnes un preview code à quelqu'un pour qu'il fasse une critique de ton jeu ou qu'il fasse un let's play, surtout un gars comme PewDiePie qui a des millions de subscribers, ça te fait de la pub. Ben oui. Si tu m'en donnes un à moi, ça va peut-être avoir un peu moins d'impact. Ça dépend, mais... moi je te suis. T'es pas tout seul. Aller magasiner des preview codes. Ouais, tu devrais pour moi au moins. Fait que, ouais, justement, Andrew, on passerait peut-être à ton bloc. Tu vas nous parler de toi un peu, de ton entreprise, de comment ça a commencé, etc. Tantôt, t'avais une belle histoire là de. Tu fais quoi dans la vie? T'es qui, toi? Qui suis? T'es un petit qui, toi? T'aimes la Guinness. Hey, qu'est-ce que je fais dans la vie? Moi, je suis un coupé de viande à la base. J'ai commencé chez Beauce Bœuf, je suis encore là d'ailleurs. Là. J'ai coupé de la viande tout bonnement. Je suis arrivé là-bas comme gars de ménage, j'ai monté un peu, devenu gérant de ça. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un spot que j'ai vu une vieille tank à l'huile qui traînait. Puis je me suis dit, je pourrais faire un poêle à méchoui avec cette dite tank à l'huile. Fait que on a investi le gros 75$ pour acheter le vieux fer. Toi, dans ta famille, je pense qu'il y a quand même une belle historique de boucher, là. Ouais, belle historique de viande. J'ai jamais pensé dans ma vie faire ça, même que c'est la dernière affaire que je voulais faire. Mais le bon jeu a fait en sorte que c'est arrivé comme ça. Puis, tu suis le coup. Faut que tu t'amuses dans la vie, moi, je me dis. Faut que tu t'amuses. Je m'amuse, fait que la vie est belle. Puis là, que, ouais, ton histoire là, de ta tank à huile avec. Ouais, j'ai ramassé ça chez mon voisin, Feu Roger. Roger, man, de la côte à pique. J'ai ramassé la tank à huile chez Feu Roger, traîné ça jusqu'à chez nous. J'ai fait à peu près 10 mètres avec. Après ça, avec mon grand-père, on l'a coupé, fait ça. On s'est fait un beau poêle à méchoui pour un méchoui important qui était le mariage d'un gars qui... Un hockeyeur, quand même, dans la LNH. C'est le premier méchoui que j'ai fait dans ma vie, c'était ça. J'ai fait mon poêle à méchoui pour ça. J'ai chargé calissement pas cher pour, pour l'argent qu'il y avait, mais j'ai eu ben du fun. Fait que ça a commencé comme ça. On a fait des tests, puis là, ça fait quelques années qu'on roule. Ça fait 2 ans là, qu'on est vraiment une vraie entreprise à cette heure. On fait du traiteur. On fait pas juste des méchouis, c'est du traiteur en général. On fait beaucoup de mariages, services aux tables, etc. C'est la viande, c'est les événements festifs, c'est les événements que le monde aime. C'est prendre une petite bière, puis c'est s'amuser, rencontrer du monde. Puis c'est ça que j'aime, je pense. Prendre du bon temps, finalement. Ben, quand on travaille très fort. Je peux pas dire que je travaille pas fort, puis que c'est facile. Justement, tu sortais d'une période de rush un peu dernièrement. Ouais, un là, peu le mois d'août. Explique donc un peu, c'est quoi les rentes de semaines que t'as viré dernièrement. C'est des grosses semaines. À cause de pas, t'as ta semaine d'ouvrage normale, puis après ça, t'arrives les fins de semaine, puis... C'est ça, c'est en plus, tu sais, de la job à boucherie. Fait que on travaille de bonne heure le matin, on finit tard le soir, c'est sûr. C'est pas tout le temps facile, là, pour tout, là, autant pour la vie familiale que pour la vie personnelle. Moi, je suis un gars que j'aime ça sortir, aller prendre une petite bière l'après-midi avec les gars, faire mon social, checker les potins de Saint-Georges-de-Beauce un peu. Je trouve que c'est bien important quand même. Checker les potins de Saint-Georges. Ben là, s'il se passe de quoi, je veux le savoir. Saches, là. Ben là, à un moment donné, je veux le savoir, puis je veux être capable de vous en parler. S'il arrive de quoi de grave. Je sais que c'est le seul gars que je connais qu'il y a dans ses favoris, genre en Beauce.com. Sérieux? Ben, quasiment, ouais. Ben, faut que je les suive, là, tu sais. Ben, t'as pas le choix, faut que tu parles au monde dans la ville tout le temps. T'es toujours au public, là, fait que... Ben, tu sais, à Saint-Georges, je suis content, tu sais, je viens de Saint-Prosper, je suis un gars de Saint-Prosper, j'aime mon village au bout, mais à Saint-Georges, je suis bien quand même. On connaît du monde, pas à longue de faire des events comme ça, puis faire mes choix à gauche, à droite, tu rencontres du monde, là, ceux-là, t'apportes du monde, tu parles avec eux autres, finalement, des fois, ça finit comme c'est des amis. Tu sais, arriver chez un gars à midi pour faire cuire son cochon, qui t'offre une petite Bud Light chaude, t'apprends, pis t'es bien content. Pis quand il arrive 7h, 8h le soir, ben c'est ça qui est ça. N'as-tu une autre petite Bud Light chaude? N'as-tu une autre pour moi, mon petit gars, parce que. J'ai pas apporté de bière, je suis fun de la seule des autres. C'est sûr que ça, c'était plus le avant, mettons. Le avant, c'était ça. On allait faire cuire un méchoui, on faisait un party, on embarquait avec les gars, pis assez souvent, c'était ça. C'était pas toujours ça, mais assez souvent, on embarquait avec les gars. Là, c'est rendu plus professionnel beaucoup. On n'a pas eu le choix à un moment donné. C'est soit, comme je vous disais tantôt, c'est soit on reste en bas, puis on reste un peu tout croche. On évolue pas. C'est ça, à faire la fête, c'est bien le fun. Là, mais on les garde, ceux-là, pareil. Là, ça, je dis aux gars, on la refuse pas. Là, on les garde toutes. Mais c'est moi qui vais faire ceux-là qui sont le fun, puis les autres, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, pas tout.
C'est pas vrai, mais tu sais, j'essaie de tout prendre, de jamais oublier d'où ce que je viens aussi. Parce qu'à la base, moi, mon entreprise, oui, c'est du traiteur, puis oui, c'est des mariages, c'est des soupers de compagnie. C'est, des fois, c'est plus fancy, des fois, c'est plus droit, puis c'est bien correct dans la main. Mais on arrive d'un poêle à méchoui qui fait tourner une truie à boire de la bière. Tu sais, c'est de là qu'on arrive. Puis je pense qu'en gardant cette mentalité-là, mais en la changeant, en la faisant évoluer finalement, ben c'est là que ça nous amène où ce qu'on est à cette heure. Puis je suis bien content. Puis, parce que là, t'es rendu, tu parlais dans peut-être une équipe de 20 personnes. Ouais, de façon sporadique beaucoup. OK, parce que des fois, tu peux virer plusieurs méchoui par journée, ça que tu t'expliquais là. C'est ça. Une journée typique du mois d'août, c'est 9 events en même temps. Tu sais, je dis tout le temps méchoui, mais c'est pas nécessairement un méchoui. Tu sais, tu peux avoir 4-5 méchoui, une livraison, plus un buffet froid, des buffets de funérailles. Tu sais, on fait tout, là. Autant des coco pas que des patates pilées avec des brochettes. Puis, tu sais, il n'y a pas de limite. Fait que c'est ça qui est beau aussi là-dedans. Là. Ouais, ça commence à faire des grosses journées. Là. Ouais, on travaille fort. On travaille très fort. Puis, je suis pas tout seul là-dedans. Puis, une motade de chance. Il y a du monde avec moi qui m'entoure. J'ai des bons bras droits, là. Un de mes bons chums qui est Kevin qui travaille à chat, puis il m'aide beaucoup là-dedans, il se couche tard, puis faut les pousser ces jeunes-là. Faut travailler, Chris de Hun. Ça veut plus travailler. Faut les motiver, à couper dans le cul. Il est pas tout seul, là. J'ai une bonne gérante. Je vais l'appeler ma gérante, je pense. Là, elle a été promue. Ouais, elle a été promue, c'est là que ça se passe. On va faire un communiqué à tout le monde, promotion. Qui s'occupe plus les gros events, là, quand c'est le temps de gérer le personnel, puis comment de serveuse que ça prend, puis tout ça, puis tu sais, tout préparer le stock, parce que tu sais, t'as l'avant, t'as l'après. Faut préparer un buffet, tu pars, ça te prend le stock pour le faire. Rien que faire ça, tu sais, préparer. Ok, ben là, ça prend 30 assiettes avec des cuillères, puis ça prend des ustensiles de service, tout ce que ça prend finalement, ça prend du monde pour gérer ça. Puis toi, tu parlais de ta première grosse expérience, c'était un michou à 800 personnes. La première grosse expérience, okay. Mettons, ouais. Et là, toi, t'es arrivé là-dedans, c'est quoi, vous étiez, t'étais tout seul, puis là, fallait t'apporter la vaisselle, fallait t'apporter. Non, ben c'est dans le jetable, là, c'était. Un de nos chums qui m'avait référé à Saint-Louis-de-Gonzague pour le centenaire, Francis, pour pas le nommer, Francis Gannett, que vous connaissez sûrement, un bon gars. Puis il avait trouvé le Q, puis ça avait commencé, c'était supposé être un méchoui pour une centaine de personnes. Puis deux semaines avant, on était rendu 400, puis la semaine avant, on était rendu 800. Puis là, il fallait faire un service au table, fait que... Ouais, eu des hosties de bons amis. Et hey, calvados, aller chercher des poivres. Je me souviens de cette journée-là toute ma vie, moi, je pense. Sérieux, ça a été mémorable, ça a été dur, ça forme ce qu'on devient. Veux pas, c'est clair. Ça a été un moment tournant un peu aussi. Là. T'as vu, t'as le volume, t'es capable d'en faire. C'est ça. Puis la manière de Christy, si j'ai fait ça, il n'y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. Là. Ça a commencé de même. Là, tu t'entoures du monde qui savent comment ça marche, puis que après ça, go for it. Sky is the limit. Ben oui. Tu parlais en hors-ronde tantôt du Club des Lions, parce que t'es quand même impliqué là, beaucoup là-dedans. T'as même remporté un prix, si je ne m'abuse. Avec mon maudit stalker. Non, on a des recherchistes dans l'équipe. Ben là, je vois ça. Comment dire? Ben oui, Lion de l'année. L'autre année d'avant. Ben, ouais. Lion de l'année. Bon, mais c'est dans le club à Saint-Georges, là. Ouais, et je vous dis, s'il y aurait des bretelles, je suis sûr, ils se les pèteraient. Bon, je suis très fier. Non, je suis bien fier. On fait. Je trouve qu'on est un beau club, puis on s'amuse beaucoup. Puis c'est ça qui est important. C'est un peu ce qui se fait des fois dans un club social. Sociaux, je pense. Sociaux, hein. Soit... Les clubs sociaux, hein. Ça se dit mieux, hein. Ben, tu sais, c'est comme cheval-chevaux, on a le droit de dire c'est les comme, deux. Détail, c'est comme détail de tout. Ouais, c'est ce que c'est à dire. N'importe quoi. Là, on m'a donné un petit cours de français, ça, moi, ça me place, mais ça. Puis, ouais, avec. Ouais, tu sais, c'était tellement quelqu'un de jeune là-dedans. Je pense que c'est pas commun de voir quelqu'un de ton âge. Faut faire quoi, t'as 31, 30 31. Le club s'est rajeuni beaucoup quand même, là, mais on. Toute une gang de jeunes, on s'amuse. Et c'est sûr que ça demande. Ben, ça demande pas tant de temps que ça. C'est un mercredi une fois de temps en temps. Tu vois du monde, puis veux pas, ça t'apporte un des gens que tu connais qui connaissent d'autres personnes, un réseau. Ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est surtout aussi pour ma grosse activité, moi, que je fais, c'est le cocktail des Lions. À chaque année, on organise ça au Georgeville. C'est un tirage finalement. Puis on ramasse pour la soirée, il y a 400 billets à 100 pièces à vendre. C'est sold out à chaque année, ça n'a pas le choix, nous, de l'être. Fait que après ça, on s'en va là. C'est une veillée qui ramasse à peu près 30 000 pour ordonner à des organismes de la région.
Fait que ça, c'est... Fait que toi, t'es quand même impliqué socialement, puis ouais. T'arrives là-dedans, puis tu donnes de ton temps. Ouais. C'est beau. C'est ben, beau, j'essaye, en tout cas, j'essaye. Je m'amuse au travers, parce que pas m'amuser, je le ferais pas. Okay. Sérieusement, pas m'amuser, je tirerais ça à plug. Tu sais, j'en ai fait d'autres affaires, là. C'était bien le fun, là, mais à un moment donné, ça vient que ça, c'est plus plate. Puis on se le cachera pas, là. Moi, j'aime ça, siroter ma petite bière, puis... J'osais des potins, justement. Fait comme ça, quand j'ai du monde à qui les compter, je suis content, je suis fier. C'est du travail de recherche. Mais c'est vrai ce que tu dis, d'avoir du fun, puis de t'as pas oublié d'où tu viens un peu. Puis je pense que c'est important de faire ça. Autant quand tu travailles dans tes projets, puis c'est quelque chose... Nous autres aussi, on fait la job, on va souvent dîner ensemble, on prend le temps de prendre une bière ensemble. Souvent, le vendredi après-midi, on va s'acheter une caisse pas trop chère. Puis ça aide à renforcer l'esprit d'équipe que juste tout le monde qui travaille, fait sa job, qui parle pas trop ensemble, qui sort pas ensemble jamais. C'est ça. Je suis content de t'avoir à la page. Le dernier coup qu'on s'est vu, on s'est quitté vite après un show de rock'n'roll qui a fini un peu sec à cause de l'ivresque. Dont on est ivresse. Calice, à Bangor, Asti. À Bangor. Hey, c'est vrai. Allez, je m'en allais sur quelque chose qui n'a pas rapport, on en parlera après. Ah non, continue, c'est bon. Comme non, ben, j'ai croisé, j'étais allé voir les macadam en fin de semaine, le gars puis la fille qu'on a rencontré à Bangor. Voyons, profiter pour prendre une bière avec eux autres en même temps, c'était cool. C'est-tu ceux-là qui étaient comme nos voisins de chambre? Ouais, ou... les deux qui parlent en français direct à côté. Là. Ah, si, ouais. Et c'était le rock'n'roll, sérieusement, c'était vraiment hot. C'est ça, on a deux fans, je pense, de punk. Ouais, quand même, un vieux punker dans l'âme. Là. Moi, okay. Plus que ça pue, puis plus que c'est croche. Malgré que je pense que j'ai vu un des meilleurs shows de Rancid qui ont pas fait dernièrement. Sérieusement, Tim Armstrong, je regardais des lives de ce qui s'est passé. Ben, pas de ce qui s'est passé, mais des autres shows, là. Crime, le nôtre était malade ou ben j'étais sous comme une botte, là. Mais... Non, moi, c'est la première fois que j'ai voyé Rancid, j'ai trouvé ça super bon. Une affaire qui me faisait peur, c'est que Tim, depuis un petit bout, on dirait que ça ne tente plus de chanter. Ouais. Il articule pas souvent. Ouais, c'est mais il oui, était... celui qu'on a pogné, je suis qu'on a pogné une bonne soirée. En forme, là, mais comme jamais. Ah, puis une hostie. Ifi de belle journée. J'aime ça mettre le ifi. Tu vois que je le pousse un peu. Ifi. Hey, sérieusement, les gars, faudrait que vous pluguiez, là, sérieux, mon vidéo YouTube. Là. C'est quoi on va plugger ton vidéo YouTube. Une taverne. Ah ouais. Je pense honnêtement que c'est la meilleure vidéo du monde. Ok. By the way, parenthèse de même, as-tu vu sur le site niaiser.com. Ben, niaiser sur. Niaiser quelque chose sur Facebook. Ils ont piqué un de mes vidéos YouTube, man. On avait tourné à Woodstock avec Joe La Rochelle. Tu sais, le gars qui compte une blague vraiment pas drôle, là, de cheval Hercule qui recule, là, pis qui mange les vitres, là. C'est le gars complètement à frites la nuit, là. Ouais, ouais, ouais. Man, ils ont piqué mon vidéo, ils ont mis un meme dessus, ça a été vu un million de fois la semaine passée, je te jure. Je te jure, c'est mon vidéo. On m'entend chanter des Beatles en arrière comme un gros gars Yves, là. Tu t'es fait violer, man. Je me suis fait violer. Je peux rien faire parce qu'ils ont... Ben mon frère. Tu peux faire de quoi? Ces hosties de page Facebook, là. Qui font juste récupérer... Ils récupèrent le... Il y en a qui vont écrire le crédit telle personne, il y en a qui le feront même pas. Mais même si t'écris le crédit, calice, ouais, ben mets un lien vers la vidéo de la personne, partage ta publication. Envoyez-moi un message. Juste sur mon YouTube. Je peux te prendre ton vidéo, man. Va dire oui tout de suite, je serais assez fier. C'est calé, tout le monde qui a vu ça. Mais parce que de l'argent que t'es généré par cette vidéo-là. Non, pas tout, est-ce non. Non, non. Un million, c'est quoi? C'est 10 pièces, ça? Ah, sur Facebook. Sur Facebook, ça vaut pas une scène, mais t'sais, en tout cas, bref, ça m'a fait de la peine. Mais en tout cas, le nouveau vidéo, là. Tu sais, lui de Bangor, là. Es-tu devenu viral, finalement? Non, mais je l'ai jamais partagé. Quand je pense que je vais le partager. Ça, j'y ai d'allumer, là, en te parlant. Parce que je vais repenser à Bangor. Ça s'appelle... Il me semble que son nom, c'est 3000 Bucks Giant Slug Eater. 300. 300, ça va. 1000, ça aurait peut-être moussé la chose. C'est quoi, un peu? On va vous ajouter le lien, c'est sûr. Je pense que je peux même pas en parler. Ben, je suis même pas sûr que tu vas l'ajouter, mais que tu le vois. Ouais, on va voir. Ouais, je l'ai vu sur YouTube le lendemain parce que la fille avec qui on était, elle dit envoyez-moi le lien, je veux voir ça. Puis. C'est quick fit, un peu. C'est épique. C'est un beau moment avec des Américains de souche. Ouais, hey, des vrais. Là, on était sa terrasse, un peu rondelée. Là. Quand même, tu, on a pris quelques bières, puis on s'en allait avant d'aller voir le show. Puis on est sur une terrasse d'un resto, man. Ça mange partout. Je compte pas le reste. Je compte pas le reste. Ça va faire un effet de surprise. Il crée du suspense. C'est ça.
Le staff du resto devait commencer à avoir un coup de travail. Fait qu'après ça, on est allé à notre show. C'était malade. Moi, j'ai eu du plaisir à côté. Un beau show des Dropkick puis de Rancid. Rancid solide. Dropkick Murphy. Dropkick Murphy, qui est, c'est un show, c'est un show plus new stuff, là, mais tout le temps bon. Là, ouais, ouais. Un million. M'excuse. J'ai trouvé le vidéo. Et toi, Lepage, justement en étant dans cette espèce de contexte-là de show punk, en fin de semaine, t'as une expérience là. T'as envoyé les Macadam en fin de semaine. Commencé la journée avec Irish Moutarde, la bande d'Oriana Holly de Saint-Pros, qu'on en a profité pour aller les voir jouer. On a rencontré le chanteur de Guttermouth un petit peu après le show d'Irish Moutarde. Il devait être 3h30, 4h. Le chanteur s'en venait déjà pas pire avancé. On y a parlé entre autres du moment où il s'est planté en bas du stage à Woodstock en Beauce une couple d'années. Mais bref, ça allait bien. Puis je pense que les autres, après, sont partis au 5 à 7 de Nancy, probablement pas continuer à boire de la bière. Non, ils ont arrêté, ils voulaient être prêts pour leur show. Si, ils voulaient être. Ils se respectent, je suis un artiste qui se respecte. Ben là, à un moment donné, ils sont des pros. Ils sont professionnels, je veux pas. Bref, eux autres sont partis là-bas. Nous autres, on est allés voir Voodoo Glow Scars, on est allés voir les Planet Smashers. Les deux étaient sur le party, mais les deux ont fait des shows qui étaient quand même très bons pis tight. Est venu Guttermouth après. Je l'ai déjà vu se planter en bas du stage. La deuxième fois, je le voyais. Je l'ai vu se planter en bas du stage une deuxième fois. Aïe. Chapeau au gars de sécurité qui l'a attrapé parce que ça serait fait mal en tabarnak. Mais le gars échappait son micro, le gars oubliait ses paroles. Les autres membres du band avaient l'air stone red. C'est un beau show. C'était chaotique. Si vous connaissez Guttermouth, ça fit un peu avec le caractère de Guttermouth. C'est probablement une des seules raisons pourquoi le band s'est pas fait huer puis sortir du stage. Ça avait été Good Charlotte ou Simple Plan, je pense que ça aurait passé. Pierre mais... Bouvier sourire de fiction au bord de la serait malade. Pierre Bouvier, c'est quoi, c'est le gars de Simple Plan? Quel nom casual! Je voulais le plugger du Pete. On dirait un nom de Watatata. Je sais pas, à l'international, c'est sûr c'est pas Pierre Bouvier. Peter Bouvier. Peter. Alors, bref, Guttermouth qui jouait en passant à 7h30, qui jouait pas à minuit. C'était une grande performance. Mais ça, je pense que toutes les bandes ont eu l'air de l'échapper ensemble backstage un peu, vu que ça a dégénéré à mesure que la journée avance. C'est dangereux dans ce temps-là. Ça... C'est l'univers punk, comme tu dis. Ouais, voilà. Ça vire weird. Et voilà. Puis pour continuer justement l'univers des spectacles, oui, t'as été voir le spectacle de GF, t'as été voir le spectacle de Zelda, l'orchestre symphonique. Oui, oui. Moi, en fin de compte, j'aimerais premièrement remercier et plugger par la même occasion. Moi, juste une petite seconde. La Quête musicale, c'est un podcast justement québécois. Ça fait quoi, 6 ou 7 épisodes qu'ils font. Ils se concentrent sur la musique des jeux vidéo. C'est vraiment bien intéressant d'aller voir ça. C'est vraiment le fun. Puis ils faisaient tirer une paire de billets sur Facebook, sur leur page Facebook. Puis j'ai été l'heureux chanceux qui a gagné la paire de billets pour aller voir un orchestre qui fait le show s'appelait Zelda Symphony of the Goddess. Okay. Qui était au. C'est un orchestre qui vient d'ailleurs. Il y avait l'air d'avoir beaucoup de musiciens québécois qui disaient. Ok, ok. Fait que ça, c'était intéressant. Ça se donnait en fin de compte samedi dernier, le 9, au Grand Théâtre de Québec. Un show qui a duré 2 heures quand même. Il y avait beaucoup, beaucoup de stock. Moi, j'ai adoré le Goron City de Breath of the Wild. La toune est très, très, ah, très, oui, intéressante. Et il y avait aussi le mix de Twilight Princess. Ça rentrait au pas. C'était génial. Beaucoup de percussions. Et d'ailleurs, Andrew est un fan fini de Zelda aussi, un peu comme Max. Hein? Ah, quand même. Moi, ah, je suis un brûlé. Tu sais, rien à faire. Je suis brûlé. Il y a une calotte, avec... Full shiny. Ah. Oh ouais, sérieux, j'étais comme un pimp. C'est vrai, parles-tu de la drogue de Zelda? Ouais, ou... bah, peut-être, man, des petits champignons. Il se fait payer en rubis. Ouais, c'est moi, j'étais heureux. Ah ouais, non, je suis brûlé, sérieux. Je pense que je suis capable de dire que quand que Breath of the Wild a sorti, ça a un peu nuit à ma vie. Continue, c'est une belle expérience, j'aime ça, des témoignages. Non, mais pour de vrai, ça a un peu nuit à ma vie, autant professionnelle que personnelle. J'ai eu des plaies de lit. Pour vrai? Non, man. T'es malade, par exemple. J'ai tellement joué, j'ai eu des plaies de lit. Quoi? You got some plaies. C'est quoi, plaies de lit en anglais? Je sais pas, man. Faudrait le plugger à m'amener. Ouais, non, ça a été... mais maudit, un beau moment. Ouais. Mais...
C'est trop de temps. trop de temps. Puis là, tu dis, tout ce temps-là, mettons que j'aurais fait ça, peut-être que ma vie aurait avancé un peu plus. Ben, non, t'as appris plein des choses là-dedans. Ben, oui, ben, oui. T'as appris des recettes. T'as appris la rigueur. La rigueur. Tu dis, Michael, la rigueur. Cette rigueur. Non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai appris des recettes. C'est peut-être pour ça que mon service de traiteur va si bien. À cause de Zelda, finalement. Hey, c'est des beaux liens, hein? Mm-hmm. Puis côté matériel, c'était-tu du vieux studio qui, mettons, t'avais un spécial Twilight Princess, Breath of the Wild, dont tu traînais dans le vieux matériel? Il y a eu du Link's Awakening, il y a eu, bien sûr, A Link's Between the World, il y a eu Link to the Past. Il n'a pas fait Zelda 1 et 2, il n'y a pas eu de okay. ça. Il y a eu par la suite aussi celui-là sur GameCube, je me souviens plus de son nom. Wind Waker. Merci, Wind Waker. Ouais. Twilight Princess. Je pense que c'est pas mal ça, mais un gros show de 2 heures. Le chef d'orchestre était très charismatique. Il faisait comme de l'entertainment. C'était vraiment cool. Le Manny, il a vraiment sorti la baguette dans Wind Waker, oh, justement. Wow. Il y avait une baguette identique là, avec le sort de petite affaire, là, sa baguette. Là. C'était drôle. Oh. C'était drôle. Il y a même des vidéos officielles de la part des créateurs de Zelda qui passent pendant le show aussi. Okay. Fait que c'était vraiment un beau mix de multimédia avec l'orchestre. Très bonne raison. Très puis côté, je pense, toi, tu as gagné des billets, mais tu me parlais peut-être que c'est un orchestre symphonique. Là. C'est peut-être dispendieux. C'était pas donné. La valeur des billets était de 125$ la pièce. Oh putain. Est-ce que j'aurais réellement payé ce prix-là? Peut-être pas. Je pense qu'il y avait des billets à 50 ou 60 pièces. J'aurais été plus à l'aise, en fin de compte, à payer ce prix-là que de payer 125 pièces le billet. Si son sang sur le stage, ça fait pas cher par personne. Non, vraiment pas. Ils font juste payer le McDo, c'est un monde. Puis on sent. Qu'est-ce que je trouvais dommage aussi, c'est que la salle était réellement pas pleine. Ok. Il devait avoir peut-être le 2/3, plus que ça. Mais avec des prix de même, à un moment donné, c'est un élastique. En même temps, j'avais regardé, moi, je pensais que c'était un gars à Montréal, ça. Toi, tu allais voir à Québec. J'ai jamais vu sur le site officiel qu'il y avait des dates à Québec parce que j'étais monté. Là, moi, j'étais excité au bout. Il y en avait à Québec, il y en a à Montréal, il y en a à Toronto, ils vont même à Edmonton, ce que j'ai vu. Qu'est-ce que j'ai été déçu aussi, c'est que ils vendaient de la mec, ils vendaient vraiment de la marchandise. Je trouvais ça un peu exotique pour un show musical orchestral. À 125$. Oui, à 125$. Là, j'arrive là, ça fait « ils doivent avoir la trame sonore, t'sais, veux pas, c'est un show orchestral, ils doivent vendre ça. » J'arrive là, ça fait « avez-vous une trame sonore ou ben le show un DVD, un vinyle même? » Non, on n'a pas ça. Comment? Des t-shirts, pardon. Oui, des t-shirts. Il y avait un t-shirt. Le t-shirt était bien beau. On a une belle casquette. Regarde. Il n'y avait même pas de casquette. Il y avait le programme, tu sais, un programme à 10$. Non, merci. On achète des t-shirts de Zelda pour te l'avoir à 10$. On les revend à 20 ici. C'est ça qu'on fait. Il y avait des t-shirts. Le seul produit que j'ai trouvé intéressant, c'est que toutes les pièces qui ont été jouées pendant le show, tu l'avais vraiment en livre de partition pour piano. Tu pourrais comme racheter ça. Ouais, mais faut que tu sois. Même si tu l'avais acheté, on l'aurait fait à l'heure, ça aurait été fou. Je pense que c'est un public cible, là, à part mes cousins et mes cousines. Il n'y a pas grand monde qui sait. Ça ne doit pas être super accessible. Exactement. Fait que, non, c'était une belle expérience. Est-ce que j'aurais payé plein prix? Peut-être pas. Mais merci encore à la Quinte Musicale. C'était très, très cool de leur part. Puis d'ailleurs, j'ai rencontré le gars, justement, m'a retrouvé dans la salle, puis il est venu me voir, me serrer la main, puis tout. J'ai trouvé ça très cool. OK. Là, toi, Andrew, tu nous contais un peu là, que ta vie avait été chamboulée avec Breath of the Wild. Côté temps, côté... Parce que toi, il faut faire une... T'as une famille? Ouais. Tu veux pas avoir une famille hors des enfants, ça doit changer tes habitudes de gamer. J'aimerais que tu nous en parles un peu. Là. C'est sûr qu'on n'a pas le choix de s'adapter un peu. On se lève un peu la nuit pour aller gamer. Ben, c'est-tu vrai, ça? Tu te lèves la nuit Là, j'ai fini Breath of the Wild. Fait que c'est pas si bien Breath of the Wild, je pouvais le faire. Je le faisais avec ma fille. En même temps, OK. Fait que ça faisait comme une activité ensemble. Père-fille, elle a triple. Tu sais, Zelda, c'est sa vie. Là. Link, c'est son héros. Puis après ça, Zelda, c'est ça qu'elle... Elle veut pas, Adam, qu'est-ce que t'aimes aussi? Ben oui, ben tu sais, à un moment donné, on l'a poussé et tout. Là, c'est quand tu vas faire du piano! Tu vas faire du violon! C'est vrai ça. S'il y a des Chinois qui jouent du drum à 8 ans, là, c'est bien solide. Là, je veux dire, c'est, tout ça fait, là, mais en même temps, c'est plate à dire. Mais quand il y a de quoi que t'aimes moins, une émission à TV t'aimes moins, ben là,
au début, tu sais, on gamait, mettons, à Mario. Fait que là, on joue à Mario, ok, c'est cool. Puis là, elle écoute des... T'écoutes des émissions sur YouTube, c'est un peu de la merde. Hey, écoute les animes de Mario. Tu sais, dans le temps, quand on était jeune, il y avait des animes de Mario. Des dessins animés de Mario. Oh, ouais. Hey, c'est malade, c'est drôle. Ça doit être ésotérique un peu. Ben, je, oui, je me rappelle, mais tabarnache, man. C'est comme une imicote de Donkey Kong. Tout qui passait à les tours. Mais ça, c'était malade, je les ai jamais revus. C'est pas le 3D. Il y avait l'acteur qui faisait Mario, justement, dans... Oui. C'était un lutteur. Ah oui, puis il dansait à la fin, là. Oui, c'était ça. Il veut du plombier. Héros à zéro dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre avec le plombier. C'était la toune de la fin, puis là, tu sais, il dansait, mettons, sur un écran vert, puis il était découpé, mettons, t'avais comme trois plans. En avant, ben proche, dans le milieu, puis en arrière. Fait que okay. Là, il était découpé. Tu sais, il y avait comme une loupe qui dansait, tu sais. Checkera, la finale est malade. Fait que là, t'arrives, tu l'as en avant, mettons, sur le plan 1 en avant qui danse. Après ça, il disparaît, il s'en va dans le plan 3, il s'en va dans le plan 2. Mais là, tu l'as en V. Fait que tu sais, il danse comme en V. C'est malade, tu le dis. Fait que c'est ça, tu sais, tu y pousses un peu ce que toi t'aimes, puis. Ça se fait bien. Ben, ça se fait bien. Après ça, papa, il va gamer, il dit Ah, oh, joue à Zelda, ouais! Là, on joue à Zelda, c'est cool, tu sais. Ma fille, moi, elle écoute du Dropkick Murphy, puis elle joue à Zelda. Puis elle dit qu'on est des punks. Fait qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut parce qu'on est des punks. Mais c'est beau en même temps, ah ouais, tu sais. C'est de garder l'équilibre là-dedans. Qu'on ne veut pas. Tu pensais tout le monde autour de la table, on a gardé un peu notre cœur d'enfant. Je sais pas comment dire ça. Ouais, solide, faut le garder. C'est pas tout le monde là, qui va se permettre de jouer comme tu fais, toi, avec sa fille. Oh, il a dit, ça fait. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est quoi tu donnes comme exemple à ton enfant, un gamer? Moi, je l'ai fait faire Fallout, ma fille. Okay. Elle a trippé, là. Tu sais, mettons Zelda puis Fallout, là. Hey, Fallout, elle aime ça. On tue des ghouls. Serais-tu du genre à faire jouer au jeu que toi, t'as joué quand t'étais jeune, mettons, la mini NES, la mini SNES, ces affaires-là? Ouais, mais elle aïe ça. Elle aïe ça. C'est quoi qu'elle aime? À quoi c'est trop? Ça a pas bien vieilli? On dirait. On essaie de jouer à l'arcade en bas, tu sais. Petit arcade, on met n'importe quel jeu. Mets un vieux Mario, j'essaie de faire. À un moment donné, j'ai dit, hey, on va jouer à Mario RPG. Je filais pour le faire, Mario RPG, moi. Oh non, oublie ça. Gino, elle la trippe pas. Geno. Gino, elle l'haït. Puis Marlo et tout. Tu sais, au pire, Boozer, la princesse, pas pire. Marlo, je comprends, mais Gino, il est cool. C'est vrai, pareil que Geno était cool. Oh, il est jamais revenu. Moi, maintenant, je le sais. C'est un des personnages les moins aimés, je pense, de toute la franchise de Mario. S'il revient, Gino, c'est parce qu'il appartient à Square. Ah ouais, man. Puis il l'aime, hein. Ah oh, ouais, il tient avec une curl. Ah ouais, tu veux, mon petit Gino, tu vas payer pour. de ce temps-ci, je game beaucoup Age of Empires 2. Ok. Mais là, c'est-tu le remake, là? Non, c'est le 2. Et tabarnak. HD, par exemple. Ok, HD, c'est bon. HD. Puis ah non, elle aime pas. C'est trop, c'est stratégie temps réel. Là, oh, mais c'est trop lettre. Je pense que c'est trop lettre. Ben, je pense que oui. Moi, j'ai fait un lien avec quand c'est trop lettre. Mais va te le dire, moi, j'avais avec mon ex, j'avais fait jouer à Final Fantasy VII. Puis c'était un gros trip de Final Fantasy. Il était en train de faire le 10 ou je me rappelle plus c'était quoi dans le temps. Puis là, il disait, faut que tu joues à Final Fantasy VII, ça révolutionnait le monde. Là, j'en mettais. J'apporte ça, là. Fais attention, mon final, c'est un black label, là, tu sais, là, j'en mettais. Tu t'as agressé. Ah oui, mais parce que. Je voulais y faire jouer, mais tu sais, je veux faire attendre. Fais attention aux pièces aussi, là, c'est un jeu rare, là. J'ai enseigné plein d'affaires, là. Mais là, il joue à ça. Il n'y a pas. Le rythme. C'est le rythme qui n'est pas là. Il n'y a pas. Là, c'est trop lent. On s'est rendu compte de ça, là. Le monde, ils veulent plus ça, là. Ben petite barre qui monte, hein. Ok, là je fais mon attaque, puis là, là tu crèves, mais man, tu recommences pas, là. Ah non, là, deux minutes, là, tu recommences, là, 10 minutes, là, t'as 10 minutes à refaire. Les RPG de cette époque-là avaient souvent des moments où tu tournes en rond pendant une heure ou deux avant de comprendre où est-ce qu'il fallait que t'ailles. Ouais, il fallait que tu réfléchisses. J'essayais de refaire Majora's Mask, Zelda, là. Puis je l'ai déjà passé quand j'étais jeune, je m'en souviens, mais. Calesse! Il te donne pas ben l'indication. C'est crypté, c'est ça? C'est quoi, ça vient... Non, j'ai abandonné. J'étais tanné. C'est un jeu de merde! Max va me tuer, même. Il descend. Il a déjà les oreilles qui cillent. Ah ouais, les oreilles qui cillent, là. La gougoulaire! Il va te mordre au cou, dire. Ah non, c'est sûr, il me tue de là. J'ai eu une bulle cet été, moi, avec mon RetroPie. Justement, j'ai essayé des vieux RPG comme ça, parce que
J'en ai pas joué beaucoup des RPG quand j'étais jeune. J'avais déjà pas la patience, je pense. Mais j'ai réessayé Final 6. Puis quand même, au début, pas mal. Hein. Ça devait faire 45 minutes, une heure là, que j'avais pas eu de save point. Rentre d'un combat, one shot, one shot, one shot. Oh, merci, bonsoir. Ah, calice. Et là, t'as une vie à prendre. Ça veut dire que ça me démotive, ça me tente plus de recommencer. Alors, c'est là qu'il faut que tu te relèves, puis que tu continues, puis que c'est là que tu développes des qualités professionnelles. Tu deviens un guerrier. Un vrai. J'ai été élevé par Squaresoft, moi. J'aimerais ça vous parler peut-être Extreme un peu. Tour, ouais. Parce que là, c'est autour de la table. On a trois membres fondateurs des gameux. Moi, j'étais pas dans cette aventure-là dans le temps. Vous avez sorti ça ensemble, je pense que tu avais travaillé tout sur la réalisation des vidéos. Ouais, un peu de vidéo, un peu de web, surtout de web. Toi, t'étais dans le web. À plus endormir. À ton malade, frère. Avec mon frère, à essayer de refaire le monde, mais tu sais que tout était simple à la base. On a perdu quasiment un bon 8 mois, là, essayer de refaire le monde. quand toute la base... Tu sais, à un moment donné, à cette heure, faut plus se poser de questions. Tu vas faire un site internet, c'est pas compliqué, tout le monde est capable de le faire. Commence pas à coder de la base, ça existe plus. Ça. Mais ouais, ton frère a codé le back-end au complet. Ouais. C'est pas faisable, c'est trop. C'est des affaires à 10-15 000 pièces. Je pense que les gamers on a peut-être eu au départ une vision un peu irréaliste. Ah, l'ambition était irréaliste totalement. On s'est embarqué dans des vidéos news, des affaires. Ah, ouais, c'est ça. Peut-être exagéré. Pour faire un petit résumé des gamers, ça fait quoi, au moins 2-3 ans facile. Plus que ça. 3 ans, je pense. 3 ans, ouais. On s'est rassemblés, moi, Jason, Andrew, puis il y avait le frère à Jason, puis on a pensé vouloir faire un site. On était une coupelle d'autres. Il y en a qui sont venus, qui sont passés. Ouais, Johan. Ouais, Johan, David, il y avait du monde qui sont passés, qui viennent. Puis, en même temps, ça a été des bons temps. Absolument. Justement, on voulait faire un site sur les jeux vidéo totalement québécois. Puis les vidéos news, il y en avait. Tu sais, des reviews, tu avais fait des countdowns. Tes countdowns étaient cool, man. Ouais, ben, je mettais des vidéos, toi, que t'avais fait. Moi, je m'étais amusé pas mal, ouais. Mais, tu sais, jamais sorti au grand. Tu sais, ça aurait été facile, la base était là, ça aurait été facile d'en faire plus, mais Christos, ça demandait du temps. Ouais, ça demandait du temps. Est-ce que ça demandait du temps? Je pense qu'on espérait devenir GameSpot avec 4-5 personnes pas qui parlent en français. Ouais, c'est en vrai. C'est ça, le public d'Ognac au Québec. On a vu beaucoup trop gros. On s'est fait du fun. Est-ce que je le referais jamais dans 100 ans? Ouais, non, jamais de la vie. Non. Je referais bien des affaires, je referais des veillées à boire de la bière. Tu sais, ça, oui, là, mais ça a commencé à se lever dans des journées de congé, à essayer de programmer quelque chose pour créer ça sur Internet pour essayer d'avoir, tu sais, c'était illogique. C'était un projet de passion, là. Ouais, c'est ça, puis c'est à cause qu'on voulait voir, ben, moi, personnellement, je pense qu'avec du recul, je pense que je voulais voir ça comme une business, puis c'était pas ça partout. Ouais, c'était pas ça partout, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est moi avec du recul, là, mais... C'est à cause, en même temps, tu sais pas, tu te lances là-dedans, puis tu pars. C'est on appelle ça un projet de tampon, là, comme on dit. C'est comme. Ça s'appelle des projets de tampon avec Léo Lacroix au second. Ah ouais, man, m'en souviens. Ben, c'était comme un plus. T'as comme ta job principale, ta job primaire, puis t'as des side projects. C'est sûr, c'est vrai ça. Ben, c'est sûr que si tu allais loin des fois, ben, faut que tu t'essayes, puis tu peux. Moi, il y a des projets que j'ai faits. Je me suis essayé, puis ça n'a pas marqué plus, là. Tu sais, dans la musique, là, on pousse encore, là. Oh, ouais, mais t'as appris, man. Moi, c'est une chose que je peux dire des gamers. J'ai appris affaires épouvantables, là. Tu sais, c'est pas. C'est pareil comme mon cours d'infographie, dans le fond. C'est un peu ce qui a donné naissance au podcast qu'on fait là, puis ce que vous faites avec Watch and Games. Ouais, ben, parce qu'on a abandonné les gamers. Parce que justement, ça prenait beaucoup trop de temps. On avait perdu notre animatrice. Parce que oui, vous pouvez aller voir sur YouTube la page des gamers. Il y a des vestiges de ça encore. Il y a encore des vestiges. Puis notre setup était très beau. Ben, ça s'en venait bien, mais c'est le côté récurrent à chaque semaine qui était illogique. Là, ça serait tout de façon sporadique, ce serait bon. Mais en même temps, tu peux pas le faire de même. C'est soit tu le fais tout ou tu le fais pas partout. Une fois, tu le fais pas. Mais c'est ça ou c'est ça. C'est ça, c'est Puis je voulais de quoi plus simple. On est tombé justement avec Watch and Game. On a fait du Twitch.
Puis on en fait encore, sauf que tout seul, ben c'est plus plate. Fait que Simon, il est occupé pendant ce temps-ci. Ouais, quand même. Hein. Ah, il est occupé avec ses babines. Il y avait une autre affaire sur Mario Maker à Mano au début. Ouais, on a ouais, ça a commencé de même, ça switchait de même. C'est cool, c'est le fun. Ouais, moi, j'aime ça. C'est des projets de passion. Justement, comme tu dis, il ouais, faut pas que tu fasses ça en disant ouais, mané, je vais. Tu sais, faut que tu le vives, faut que tu le fasses, faut que tu t'amuses en le faisant. Puis moi, je pense que la plus belle paye que là-dedans, justement, c'est de tout. Qu'est-ce que tu apprends, comme tu nous as parlé ben tantôt, oui. Les skills que tu apprends, le réseau que tu as rencontré. On a rencontré du monde là, dernièrement. Là, c'est ça là, que. Ben oui, ben oui. On est à notre 10e épisode, puis on a déjà 3 personnes, justement, en dehors de la bosse qui est plaisant, qui viennent nous voir. Puis d'ailleurs, on remercie Andrew de s'être déplacé, d'être avec nous autres ce soir. C'est bien plaisant. Des fois, si vous ennuyez, appelez-moi. Pas loin, je descendrai. Moi, ça fait long. On en fait sérieux. Des Twitch ensemble d'avant. Tu sais, il y Blades of Steel, la bière. Hey, Blade of Steel, là, tu sais. Reste quoi à faire. Hey, moi, je vous meuve. Sérieux, moi, je vous torche tout à Blade of Steel. Pis sérieux, là, encore plus, je vous mets un brun sur Age of Empires 2. Ouais, là je m'essaye pas. Là. Un vieux brun. Mais non, c'est vous voyez un peu qu'on n'est pas parti de C'est pas pour les doux. Là. On a essayé bien des affaires. Puis présentement, comme dit Andrew, si on se fait pas de fun, c'est le temps d'arrêter. Et voilà, et voilà. C'est carrément le temps d'arrêter. Le projet a muté. Ouais. Le projet est rendu là. C'est ça. Moi, j'ai parti avec Max. Moi, j'étais avec Max. Puis à un moment donné, on s'est liés avec les autres. C'est ça. Ouais. C'est dans tous les aspects de ta vie. Ça, si t'as pas de fun, c'est le temps d'arrêter. Oui. Voilà. Je sais que c'est plus facile à dire. Là, des fois, quand ça fait des mois, des années que tu t'investis dans quelque chose, d'abandonner, c'est pas nécessairement facile. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut que t'acceptes quand ça marche plus. Faut que tu rappelles autre chose aussi. C'est ça. Quand c'est ta job, c'est une affaire. Tu, à la limite, tu peux te dire, ben. J'achange du temps contre de l'argent, mais quand t'achanges du temps, pis tu te fais chier, ben, à un moment donné, c'est pas bon, c'est là que ça te nuit dans ta vie. Ah ouais, c'est quand ça commence à avoir une influence négative en dehors de ta job ou du projet quelconque, ouais, c'est pas ta job. C'est comme en fin de semaine. C'est le temps de se poser des questions. Je me suis tapé du mixage, là, tout le samedi au complet, pour mes stifications. Tu sais, ça avançait dans là, pis je suis fier du résultat, mais hey, ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Là. Ouais, pis là, quand tu fais ça, là, t'es pas nécessairement sain d'esprit, là. Non, mais tu peux pas. Conséquence que t'es tout seul, ben t'écoutes du son, là, puis t'es là, puis là. Oui, hey, oui. Là, j'ai. Oui, oui, oui. Puis là, tu mets le son bien fort, puis tu viens sauve. Là, tu sors en public, puis t'es comme dans un monde parallèle. Ça fait longtemps que j'avais vécu ça. Merde. Faut pas que t'aies à l'ami après, là, tu sais. J'ai été à l'Intermarché, genre, checker le monde, là, puis. Je vais retourner dans mon sous-sol, là, c'est-tu. De t'es pas mal mieux là-bas. Ben, l'événement qu'on a fait, moi je tiens à penser, oui, c'était le fun. C'était génial. Là. C'était crissement le fun. Une méchante grosse journée, mais on s'est fait du fun en mode. Puis c'est de l'organisation, tout ça. Oui. T'es en train justement d'en peut-être en faire un autre, on va pas spoiler. Là, on spoil rien, mais il y a peut-être de quoi qui s'en vient. On se l'est fait te redemander. Ben oui, mais sûrement. Il hey, y a personne y a, qui. Il n'y a pas un chrétien qui veut faire ça. Il n'y a personne qui fait ça en bourse. Ben non. Ça cause, c'est de trouver la rentabilité là-dedans. Mais éventuellement, il faut que tu closes une salle. Puis là, tu sais, c'est. C'est sans avoir une rentabilité que tu fasses de l'argent, mais tu sais, veux pas, tu charges un petit cover charge, puis faut que tu loues ça. Oh oui. Christophe. Ça prend du jus. Bon, oh, c'est ça. Puis tu sais, te préparer tout ça, la pub qui va avec ça. Puis aller cibler les bonnes personnes et tout. C'est là, parce que... ça. Fait que, ouais, on va fermer l'épisode de numéro 10 du 11 septembre avec comme comité spécial Endo. Merci Endo d'être passé. Respect, bitch. Sympathique. Puis, je suis pas sympathique, non, c'est pas vrai. Je suis pas rosette quand je t'affrète, puis justement, on va mettre le lien de ton vidéo qui tu veux que tu deviennes viral avant que tu te le fasses voler comme mon autre, man. C'est comme fini, là. Faut donner à César ce qui revient à César à un moment donné. Là. En même temps, shameless plug, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Mettons qu'on file pour un méchoui ou quoi. Tu files pour de la pouffe. Ouais. Facebook, c'est bon. Rosebeuf, okay. Boucherie et traiteur. Oh! Ah! Ben vous dites rigueur. La rigueur, mon petit Michael, la rigueur. C'est là qu'on développe des skills. Fait que ouais, on va fermer ça de même avec à la prochaine. Merci les gars. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Sûrement un épisode normal, je m'imagine. Oui, oui, pas d'invité ce coup-là, mais ça va être plaisant. Oh, ouais. Allez vous parler de porn? C'est la prochaine. Pour les dos.
on les connaît pas. 300 pièces pour manger une limace. 200 américains puis un 100 canadien que le gars pouvait rien faire avec. Comment?